Jocelyne Berthe aime tant la nature que son jardin ne lui suffit pas. Chez elle, presque plus de plantes vertes que de meubles, un musée vivant. Alors ça, c'est un Calathea. Ça, c'est un cow-boy. Enfin, moi j'appelle ça un cow-boy, qui est de la famille des cactus. Au total, une cinquantaine de plantes vertes qu'elle bichonne comme ses enfants depuis 25 ans. Je sais que le matin, il faut que j'aille les voir, le soir, il faut que je les regarde avant d'aller me coucher. Si ça ne va pas, je vais vers mes plantes. Et aujourd'hui, elle a l'embarras du choix. Dans les années 70, souvent une seule et unique plante dans l'appartement des Français. Madame, pas ici. Non. Il aura autant de lumière dans cet angle-ci, par exemple. À l'époque, la star de la plante verte, c'est le caoutchouc, désormais concurrencé par près de 2000 variétés. D'où viennent les plantes vertes? Comment sont-elles produites? Combien sont-elles vendues aux professionnels et combien les revendent-ils? Quelles sont les plantes dont les Français raffolent? En Europe, les plantes vertes poussent en Espagne, en Italie, au Danemark, en Belgique, mais surtout aux Pays-Bas. Bienvenue au royaume de la plante verte. Ici, quelques 300 exploitations, pour la plupart situées dans le Westland, la région des serres. À la tête de l'une d'elles, Eric Persson. Chaque année, sa serre de 4 hectares produit 800 000 ficus à partir de simples boutures. Vous prenez la plante, vous la coupez comme ça, vous plantez ça dans la terre, et voilà, vous avez une nouvelle plante. Au bout de 3 semaines, il y a des racines. Et 6 semaines plus tard, les ouvriers accrochent le ficus à ce bâton blanc pour l'aider à pousser. Avec la lumière, la température de 25 degrés et l'irrigation quotidienne, la plante pousse 2 fois plus vite que dans la nature. Au bout de 9 mois, elle est prête. Quand un client nous adresse une commande, nous indiquons sur l'ordinateur les plantes dont nous avons besoin et elles sont automatiquement acheminées vers la zone d'emballage. Ici, comme en France, le coût du travail est très important. Alors la mécanisation nous permet de faire baisser les coûts de production et d'être compétitifs. Ici, seulement 10 salariés expédient chaque jour entre 2000 et 8000 plantes sur les marchés aux fleurs hollandais. 5 heures du matin, le site de Nalwaik, l'un des plus gros marchés aux fleurs du monde. Ce matin-là, opération repérage avec Sébastien Boulidard, un grossiste français. Celui-ci, non? Ouais. Une petite heure seulement pour examiner les plantes vertes lot par lot et repérer celles qu'il va tenter d'acheter aux enchères. Et c'est dans ce grand amphithéâtre qu'a lieu la vente. Plus de 400 acheteurs, les yeux rivés sur le cadran des enchères. Les plantes défilent et arrive le ficus Benjamina qu'il a repéré. Il en achète 2 chariots, 5,20 € la plante. Sur un prix d'achat ici, on va faire à peu près x2, donc ça veut dire que sur notre achat ce matin, on va le revendre entre 10 et 11 euros à peu près. À l'intérieur de cet écart, on va avoir intégré évidemment le transport qui est important puisqu'on va descendre sur l'ensemble du territoire français à partir de la Hollande. 11 euros, c'est le prix de vente fournisseur. Ce même ficus sera revendu 40 euros en magasin. La vente aux enchères terminée, les plantes arrivent dans la zone dite de distribution. Je me trouve ici au cœur de cette zone et vous pouvez le voir derrière moi, c'est un immense chaos, mais un chaos organisé. C'est d'ici que partent les plantes, direction le monde entier. En France, la plante verte la plus vendue est le ficus, 20% des achats. Viennent ensuite le yucca et les palmiers d'intérieur, suivis du lierre. Mais la mode aujourd'hui, selon le leader de la jardinerie, c'est la plante dite graphique. Là, on a un alocasia. Vous pouvez voir, c'est extrêmement graphique. On voit un feuillage très sombre avec des veinages très prononcés. Si vous voulez faire un beau cadeau, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous offrez un beau carnéa. On appelle ça aussi le pied d'éléphant. Et voici la vanda dont les racines ne poussent pas dans la terre, mais dans l'air. Au pays des plantes, il y en a pour tous les goûts. En 2012, il s'en est vendu en France environ 10 millions.